tout le monde. Bonjour tout le monde, bonsoir, suivant les web côté nous. Nous tous bienvenus sur News AD. Je tiens à vous parler de qui j'en pour capable expédite Kézoun avec immigration. Ça veut dire. Et qui j'en capable dit immigration pressé. Et c'est vrai que son bagage qui compte pour 18 mois, besoin pour ta faire le plus rapide pour moi. Fait ça nous relayon. Ou mande pour ta expédier Kézoun. Expédite. Request. Qui j'en bagay sa capable fait? Et en fait, yo di ou capable mande yo CIS pour li expédier sa nou le adjudication. Adjudication nan c'est processus pour yo décider sou kezwa. Ça veut dire pour yo soit approve ou bien deny. OK? Remarquez bien, expédier pa vle di que lò di ou font pour yo agir vite. Ça va vle di que yo pral approuve kezla non fon clé sou ça expédier ou leur dit pour yo faire rapide dégager pour yo di sa y a di a. OK, c'est ça vle di. Et maintenant on nous dit que considération pour expédier ton case fait la plus rapide yo fait le case by case, ça y dit pas bon chercher cas par cas suivant cas. Faut nous préciser avant d'aller plus loin, expédier le dit qui ça. Et là on process yo dit pour venir faire beaucoup plus rapide, son bagage qui ca varier entre 30 à 45 jours. Parfois yo gain droit bon réponse tout dans 10 à 15 jours. Et ça fait nous dit li varier de case by case pour ca comprendre ça veut dire. OK. Et donc nous dit c'est cas par cas, yo capable mander d'autres documents pour supporter request là. Ça qu'arrive au monde bail document pour nous supporter demande pour dire on fait beaucoup plus rapide là. Et c'est USS qui gagne discrétion ça, on pas quand même attaquer la justice. C'est suivant discrétion yo capable décider pour accommoder pour répondre à demande. Lorsque yo accepté yo approuvé expedite request, ou ça veut dire USCIS pral adjudiquer, ça veut dire pral décider sur request wa. Avant l'autre monde qui était déjà devant, on connaît pas là, c'est first come first serve. Donc en l'autre terme, c'est comme si gon bon monde qui dans ligne, il mais non pas devant ligne. Yo dit yo prend pile attention pour yo peser urgency ou bien mérite de chaque demande expedite qui yo fait. Yo dit yo capable considérer un expedite request si li répond avec youn critère ça yo. Qui ça lié, yo parlé de et sa perte financière énorme pour une compagnie ou bien un monde. N'a répondre pour perte. Et dit on va faire un gros déficit économique pour une compagnie ou bien un monde. OK? Et donc on montre que gagne en urgence pour prendre action et parce que sans ça résultat pour pétitionnaire pas applicant, OK? Et yo parler tout ou bay besoin pour urgent action. OK? Yo mande en fait, yo parler de réponse pour toute request, ça qui arrivé que yo mande de série de évidence additionnelle. Par exemple, compagnie capable de montrer que par pour compagnie, nous connaît compagnie bay moun papier tout, compagnie fait application pour moun, soit pour résidence ou bien d'autres types de travail, tout le temps compagnie a fait application, l'église fait tout. On compagnie doit démontrer que la qui a un pile problème financier et à risque pour lui-même tomber si il pour perdre un contrat pour lay off moon si par exemple et yo pas gain temps approuver application ça. Yo parler exemple de medical office capable souffrir de pertes financières. Et si il y a un gap dans sa le docteur en primate et pour causer ça. Maintenant l'autre bagarre encore ça sent l'autre causer emergency ou bien urgent humanitarian reason. Lorsqu'on emergency ou bien gon raison humanitaire dans contexte expedite request là raison humanitaire là capable lié avec human welfare par exemple li gen doit gagner une maladie, disability extrême, condition, ou bien la mort dans la famille,
ou bien besoin critique pour voyager pour capable d'un traitement médical. Et ça c'est pendant un temps limité, donc à comprendre ça. Imagine si capable d'un urgent pour expédier employment authorization pour FK worker pendant un national emergency tant pour COVID là, vous comprenez? Et donc on comprend là, c'est ça que nous dit par exemple, les bails ça te fait passer au cap là, en fait au cas nous songer, nous te dit qu'il y a monde qui te cap mettez ça comme gain en raison puisque monde dans la rue est haute. OK? Et yo parlait tout de non profit organization. Yo et un nombre en fait yon hanele yon ONG capable mande pour expédier et yon request pour lui pour démontrer qu'il y a un urgent besoin pour expédier case là basé sur bénéfice spécifique et organisation ça ONG ça a gagné sur aspect ça. OK, et yon gon l'autre bain tout ka parler de et intérêt gouvernement. Comment intérêt gouvernement, et dans le sens que c'est des monde qui vini tant par exemple H2B ou quand on va augmenter le dit nous besoin travail, nous besoin travail, ça qui arrive que ba femme de bien dans cadre H2B a yo tout font genre pour ba ça rapide parce que on connaît moun yo besoin travail. Et nous capable dit des cas côté que c'est une erreur évident de la part de USCIS. OK, ils sont erreur évident que pas gain discussion la donne. Et ils sont évidents, donc ils sont capables de demander expédier du presse. Généralement, on demande pour expédier que soit leur les USCIS ou carré les USCIS dans 800-375-52-83. Ou bien on demande pour joindre un receipt notice pour ou capable de demander na bon USCIS Center a capable de référer expédier du presse soit sous office qui a un rapport avec ça. Ou relé pour demander un en fait relé dans téléphone pour demander un request pour expédier processus une question. USCIS contact center l'a créé et forward service request ça office li qui a une juridiction avec application. Les recevoir service request ça il a révisé li, il capable demander des documents additionnels. Décision sur expedit request c'est pas un approval ou bien un denial. Mais pas on approuval ou on refus. Donc là lorsque je dis bon oui nous accepter expédier ça ça va lui dire que ni il approuver ni il refuser que soit. Donc il dit il simplement dit oui bon nous pour le travail sur que soit beaucoup plus rapide n'a mettre pas devant. OK? Il va passer l'ordre pour prendre une décision qui est capable approuver ou bien refuser, il va le faire beaucoup plus rapide que gens qu'on fait dans temps normal. Et ça veut dire lorsque yo accepté pour yo expédier kezwa ou capable choisir écrire en lettre ou juste ou faire dans lettre j'en douleur capable faire dans téléphone. Donc voilà, et nous te voulez ou comprendre parce qu'on gagne des cas côté que kezwa a dormi et ou ta voulez pour yo ta justement travail sur li plus rapide expédier li. Mais nous bien dit faut bien argumenter et des fois faut capable by des évidences de ça à dire. OK, donc voilà guys, nous devons porter update ça pour vous.